Mon bébé, mon amour. Oh, c'est dur. Bonjour. Tu sais ce qu'on va aller faire là? On va à la Hawaï. T'es contente? Réveille-toi doucement, t'as le temps, mon bébé. T'as mis les avoirs dans ta valise, oui. On va mettre d'autres joujoux. C'est doudou. C'est des doudous? Oui. D'accord. J'ai mon bébé. Ah ouais, bah, démarre plus vite que moi, parce que alors moi j'ai du mal. 5h du matin, ça pique le réveil. Regarde là-bas, c'est l'aéroport, maman. Ah oui, mon bébé, on arrive à l'aéroport. Regarde. Waouh. Commence à faire beau. Oui, il commence à faire jour. Oui, merci. Ouais, comme le soleil se lève. Beau, hein? La place est plus noire et la vie de l'eau. Ouais. C'est trop beau. Et Lana, elle a une nouvelle valise pour ses 4 ans de papy Kiki. Elle a eu un peu à l'avance parce qu'ils étaient là, donc ils lui ont offert. Et comme ça, elle a pour le voyageur, ouais. Elle est belle. T'es contente? Ouais. Tu fais ta 10 mines? Mais t'as vu quand elle est sortie là, elle met une... Oui. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on s'est levé tôt pour aller au boulot. Non. On va à Hawaï. Donc c'est parti pour les daily vlogs à Hawaï. J'ai un peu commencé tard mais faut dire que ce matin on avait spécialement la tête dans les fesses parce qu'on s'est levé à 5h du matin. Et on a notre copain Jérôme qui nous a emmenés, c'est avec qui on était allé déjà au camping la dernière fois, qui a eu la gentillesse de se lever super tôt ce matin pour nous emmener à l'aéroport. Donc merci Jérôme, encore une fois. Et donc là on vient de passer la sécurité et tout ça, et bah on se dirige vers notre porte d'embarquement. On a eu un peu peur parce que le vol était surbooké, donc mais va, c'est bon, va. On a nos places. On est très mal situé dans l'avion, je suis dégoûtée, je suis pas près du hublot, donc je pourrais pas vous faire l'atterrissage paradisiaque sur l'eau bleue, mais bon, c'est pas grave, déjà on a bien notre place dans le vol, c'est déjà une bonne chose. Donc il est 7h30, on décolle à 9h, et puis c'est parti pour 11 jours à Hawaï. Oui. Go! Bien travailler à l'école. Il faut être très gentil pour avoir un ordinateur. Il faut grandir. Oui. Il faut très très bien travailler à l'école. Bien manger aussi. Oui. Oui. Ah bah oui, pour grandir, il faut manger. Eh bien, oui, t'as tout compris, ma chérie. On est où là? À Hawaï!
Oui, on vient de descendre de l'avion et on attend la valise. La poussette, c'est la valise. On attend la poussette, on va aller chercher nos valises et puis on va aller prendre la voiture. Voilà, on a récupéré la poussette et on est à l'aéroport d'Honolulu. C'est bon. Et on va chercher les bagages. On est bien à Hawaï. Oh, c'est trop beau. Oh, t'as vu comme c'est joli? Oui. T'as vu les palmitos? Il y en a partout. Oh là là, je crois qu'on va en manger du palmito. Non, pas Aloha. Aloha, ça veut dire bonjour. Alors, on est là. Voilà, là. Il faut qu'on aille chercher nos bagages ici. C'est tout à fait logique. Hein, c'est logique. Oh, et des petites fleurs d'hibiscus. Et après, va savoir où est la location de voiture. Parce qu'autant, on va devoir refaire un périple avant de trouver la location de voiture. Donc, la navette, elle ressemble à ça. Avec des petites fleurs d'hibiscus dessus. Trop cute. On n'est pas les seuls. On a pris le bus et on attend nos valises. Une autre navette pour aller à la location de voiture. C'est vraiment pas l'aéroport le plus pratique de la Terre, hein. Mon Dieu, prendre des navettes pour tout faire. Il fait nuit, non, c'est parce qu'on est sous le tunnel là. Il est midi ici. Il est tôt. Alors, pour info, on a 3 heures de moins en Californie. Donc là, il est. Une heure, midi et quart, donc dans nos têtes, il est 3h15. C'est pour ça que Lana commence à être fatiguée, parce qu'en plus on la leve à 5h du mat. Et on a 12 heures de moins qu'en France. Donc c'est facile à calculer. Quand il est 21h en France, il est 9h du matin ici. Voilà, c'est hyper facile à calculer du coup. Donc voilà, tous ceux qui me posaient des questions sur Instagram, au moins vous savez quelle heure il est ici. Vous vous enlevez juste, enfin c'est l'autre bout de la Terre, donc c'est de l'autre bout de l'heure. Ça va mon cœur? T'es pressé d'aller à l'hôtel? On va voir où tu vas faire dedans? Ouais? Mais on va dormir quand il fera nuit. On va dormir quand il fera nuit. Oui, on va dormir quand il fera nuit, mais on va aller poser les affaires à l'hôtel tranquillement. Et si tu veux, après on peut aller à la plage. Oui, à la plage. On va aller voir la plage? Oui, mais on peut jouer avec mes sirènes qui sont de couleurs. Oui, on peut emmener les sirènes si tu veux. D'accord? Alors Nico, il a la location de voiture. Et nous avec Lana, on garde les valises. Alors on est très chargé comme vous pouvez le voir. Mais c'est parce que en fait j'ai l'intention de ramener plein de choses. Donc les valises sont pas du tout pleines, mais elles vont l'être au retour. Et ça c'est notre voiture pendant 10 jours. Donc c'est une Hyundai, je sais pas trop, Elantra. Et en fait c'est marrant parce que c'est la voiture qu'on voulait acheter, qu'on avait prévu d'acheter quand, avant de venir vivre en Californie. Puis au final on a pris un van parce que c'était beaucoup plus pratique quand on reçoit de la famille et puis tout ça. Mais du coup c'est marrant parce qu'on voit ce que ça ressemble. Coucou. Voilà, et par contre voilà c'est pas un van hein, donc bah y a pas beaucoup de place. Il manque qu'on enlève toutes les valises à l'hôtel. T'es contente? On va à l'hôtel? Nico il check si la voiture elle a pas de défaut. Et voilà. Et ça va être parti. On sort du parking de la location de voiture et il y a des palmiers partout. Ils sont trop bizarres ces palmiers, ils sont super fins. C'est exactement les mêmes que ce que j'ai sur mon tatouage. Donc on va découvrir la ville. C'est Nico qui va conduire pendant 10 jours parce que moi autant à la maison c'est toujours moi qui conduis, autant quand on part en voyage j'aime pas trop. Oh c'est cute. C'est trop marrant ces espèces de gros nuages là. Et là-bas il y a la mer, on va aller la voir après. J'ai trop hâte. Un truc à penser quand vous partez en vacances, que à chaque fois on oublie le porte-téléphone. Parce que là, je fais office de porte-téléphone et pendant 20 minutes, ça va être relou. Il est un peu plus plate ce porte-téléphone. Oh bah merci. C'est marrant parce que là-bas, il fait pas beau et là, il fait super beau. C'est trop chelou. Sur les volcans là-bas, les montagnes là-bas, il fait pas beau.
Eh, il fait grand soleil. Trop marrant. Allez, allez. Et là-bas, on a Honolulu. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, je pense que c'est grande partie volcanique, mais c'est trop marrant. Oh là, oh là. On a perdu quelqu'un derrière. Bien, c'est vrai. Ah ouais, attends. Elle penche ou Ouais, c'est calé contre le coussin. Je lui dis de se caler, c'est calé. Mon petit cœur. Bah ouais, mais attends, depuis 5h du matin, elle est réveillée. Ça fait presque 12h qu'elle est réveillée là. Bien, c'est adorable. Donc ça, c'est Honolulu. Elle est adorable. Elle a mérité son bonbon. On lui a dit que si elle était sage, elle aurait un bonbon à l'hôtel. Et elle était adorable, donc bon. Elle n'a pas dormi dans l'avion du tout pendant les 4h30. On a eu 4h30 de vol. Je pensais que c'était 5h30. En fait, c'était 4h30. Peut-être que c'est 5h30 au retour, je sais pas. Et elle a été adorable, quoi. Elle a joué. Le monsieur d'à côté, il fait mais c'est dingue comme elle est sage. Vous savez, c'est son 32e vol. Donc, elle a un peu l'habitude. Et voilà. Et c'est trop joli, c'est tout vert. Ça fait bizarre de voir du vert. On n'a plus trop de vert, nous, en ce moment, en Californie. Alors, Nico, il trouve que ça ressemble beaucoup à la Jamaïque. Parce qu'il allait en Jamaïque l'année dernière. Il trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a des petits airs de Guadeloupe. Là, on a pris des petites rues un peu vertes, là. Ça m'a fait penser à la Guadeloupe. Tu veux que je tourne ? Dingue, le contraste petite maison avec la grande ville derrière. C'est beau. Ouh. Et là, un petit golf. Un tout petit golf avec des palmiers de partout. C'est un golf ? Oui, c'est un golf. Mais non. Oui, c'est un golf. Regarde avec les... je crois qu'on droite, est juste là. Non, prochaine. La grande. Grande avenue. Regardez ça. Là, c'est là. C'est beau. C'est quoi la grande avenue, d'accord. Oui, oui, bah c'est une grande avenue sur la carte. Waouh. Ah, je crie pas parce que ma fille dort, mais j'ai envie. Ah non, mais regardez tous les palmiers. Oh là là. Oui, ah ouais, il y a des palmiers. Oui, je sais, c'est logique, mais c'est trop beau. Attention, on arrive à la mer, on arrive à la mer, on arrive à la mer. Oh, regardez comme c'est beau. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'était la valise. Et là? C'est trop beau. Bah c'est là. C'est cet hôtel, c'est là. Tunnel Red. Oh, regardez. Je passe là. Il y a une Gay Pride de Honolulu. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Mon Dieu, mais c'est tellement beau. Aïe, aïe, aïe. On rentre ? T'es prête ? Alors, à quoi ça ressemble ? Oh, fais moins 12 ! Ouh ! Qu'on a une cuisine pour faire à manger, on n'a pas besoin d'aller au resto tout le temps. Et ça, c'est un très bon point. L'ordinateur, ouais. L'ordinateur pour monter mes vlogs. Ça, c'est très bien. Ah, si, si, en fait, si. Si, si. Ah, si, si, en fait, si. On a une jolie petite vue qui va bien. Une petite terrasse pour l'admirer. Oh, c'est immense. Oula. Alors, ça, c'est notre lit. Avec la vue. Ça c'est le coussin de papa. D'accord. Et là, nous avons la salle de bain qui est, ma foi, très bien. Il s'est passé quoi, Lana, là? Je crois qu'elle est contente. Oui, ah oui, ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, oui, on voit Diamond Head. Ah ouais! Diamond Head, c'est la montagne qui est là-bas. Mais non, j'avais pas vu, mais j'ai un peu de mal là, j'ai fait une nuit blanche donc j'avoue que j'ai beaucoup de mal là, aujourd'hui. J'ai un peu la tête là où il faut pas. Ah! Et ben voilà. On a bien dormi, hein, j'espère. Oh, avec le petit tableau qui va bien au-dessus du lit. Et toi, tu vas dormir sur le canapé, Lana? Quoi? Tu dormiras sur le canapé? Non! Ah bah si! Ça va, tu vas être bien là?
Avec la vue mère, s'il te plaît. Enregistre ce que ça me rappelle quand elle sera dans ces années ingrates. Ouais, qu'elle nous dira de toute façon, vous avez jamais rien fait pour moi. J'ai une enfance très malheureuse. Il y a deux secondes, elle pouvait faire ce mois. Il y a deux secondes, il n'y avait pas la couverture, il n'y avait pas le coussin, c'était pas un lit, ça allait pas. Et maintenant, voilà. Il rebondit bien celui-là. Quoi ? Il y a la mer ? Oui, il y a la mer. On va aller la voir après la mer ? Oui. T'es contente ? Je crois que Lana a mérité son bonbon parce qu'elle a été adorable. Tiens, mon amour. Gummy worm. C'est des vers de terre à la gomme. Et moi, je vais manger ce que Nico avait acheté à l'aéroport. Parce que je suis trop lave-dalle. J'en peux plus. Avec maman, on a découvert très. Ah, tu veux t'installer ? Bah oui. Oh, c'est mis en mode playa. Ah ah, Nico, il faut qu'il achète un maillot de bain parce que c'est plus possible, son horreur. De quoi, pas gentil ? Je suis d'accord. Tu sais que à moi ? Ah non, mais la gueule du maillot, quoi. Il va s'acheter un truc bien moyen avec des bonnes fleurs d'hibiscus, ça va être magnifique. Oh, j'ai le maquillage qui a coulé, c'est une horreur. De toute façon, avec l'eau, ça va être pire. Regarde comme c'est beau. C'est beau, hein ? Ah, go. Ils sont trop beaux, ces bus. C'est beau, tout ce vert, c'est magnifique. Oui, ma vie. Toi aussi, tu vas t'éclater avec ton dodo. Moi aussi, je vais m'éclater avec mon dodo. Et je vais bien dormir. Ah oui, il y a une mariée là-bas. Avec une limou. Là, il y a un monsieur, une dame qui se marie. Tu l'as vu ? Oui. Elle est belle ? Elle a aussi une fleur. Elle a aussi une fleur, oui. Ah bah oui, ici, ils ont tous des fleurs dans les cheveux, Lana. Tu veux qu'on t'achète des fleurs pour mettre dans les cheveux ? Non ? Ah bah, il y a des maillots, là. Ah bah, c'est là, BC Store. J'ai vu dans les guides que le magasin ABC Store, c'était des magasins de souvenirs. Ah bah, il y en a un là. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on voit plein de gens avec des sacs. Tiens, va t'acheter un maillot là. Plus possible. Ah, bah justement. Ah. On est rentré dans le magasin de la tentation. Qu'est-ce que tu veux ? Non mais pas en chouchou Lana, pas en chouchou. En comme ça à la limite. Tu veux bleu ? Tu veux pas le jaune ? Bah, il y a du bleu et du jaune là-dessus, c'est bon ? On prend ça ? On prend ça et la bouée ? Oh, regardez, oh là là, Nico, il faut absolument qu'il s'achète aussi une chemise hawaïenne. On prend ça ? Ouais ? Ok, je vais payer. Attends. Tu veux la bleue, la orange, la rose avec les fleurs ? La bleue et la orange, elles ont des fleurs aussi, tu veux lesquelles ? Ah oui, bah Lana, elle est à fond dans le bleu en ce moment. Alors, la bleue, est-ce qu'il y en a encore des bleus ? Ouais. Ça ? Allez, tout. C'est gentil. Et pour un dollar, elle nous l'a gonflé et elle est maxi dure la bouée. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, vas-y, c'est bon, ça passe. Là, on est arrivé à la mer. On est arrivé à l'océan, mon amour. Ah, c'est là, c'est là. C'est là qu'ils disaient Virginie et Jérôme, il y a un petit mur, du coup, pour les enfants, il n'y a pas de vagues. Et c'est super chaud. Oh, que c'est beau. On va aller là ? Waouh, c'est cool, c'est super intelligent d'avoir fait ça. Elle a l'air super chaude, bah oui, il fait super chaud. Hein. Il fait méga chaud, je sais pas combien il fait. Oh, regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Par contre, on va vite mettre de la crème là, parce que mon Dieu que ça tape. Hop. Et ben voilà, on va s'installer dans un petit coin ici. Et ben on va passer à la GoPro, hein ? Thank you.
voilà, on vient de se baigner, de profiter, c'était super bien. Ouais, et en fait il y a une dame qui est venue nous voir et qui nous a dit qu'elle partait aujourd'hui. Et du coup elle nous a donné tout ça pour Lana. Parce qu'elle a fini ses vacances et qu'elle rentre et bah nous on vient d'arriver donc c'est énorme la gentillesse des gens. Elle a plein de trucs. T'as vu tout ce qu'il y a? T'es contente? Bah dis donc, t'as une bouée et t'as plein de pelles et de seaux et de tout ça. Donc, on va passer des bonnes vacances avec tout ça. Oh, non mais c'est trop gentil quoi. On adorable. On pack. On va aller marcher un petit coup. C'est un vrai cliché hein. Mais alors c'est un vrai cliché hein, je vous le dis moi. Oh, oh ce magnifique cliché. Et Nico, attendez, faut que je vous dise quand même. Nico il va à Hawaï et. Et ben il prend pas de tongs. Il a pris que ses baskets. Ah mais il est sérieux? Bon bah tu vas t'en acheter hein. Oh. Ah t'as trouvé ça? Ah ça c'est une vraie ça. Nico m'attend. Et Lana elle est comme moi. Oh là là, c'est tellement beau, tellement beau. Le combo palmier ciel rose. Oh. C'est tellement, tellement, tellement beau. Allez, on fait trois courses. Histoire d'économiser le petit déj et le dîner et tout ça, enfin d'économiser en le d'aller au resto. Donc voilà, il y a tout dans la petite supérette juste en dessous, donc c'est cool. Tes petites fioles toutes mignonnes là, oui c'est cute hein. Et ben c'est de la vodka. Là, c'est tout de suite moins cute. Mais le packaging est juste énorme. C'est énorme, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc bref, on a à manger pour ce soir et on a à manger pour le petit déj. Et ça c'est le plus important. Allez, retour à l'hôtel. On va prendre la douche avec Lana pendant que papa va faire à manger. Ouais, ouais, parce qu'il y a la clim, c'est Eric ici aussi, hein, malade de la clim. Allez, on se lave et on mange. Alors Nico est allé à la supérette de l'hôtel pour acheter du sel, puisqu'on a oublié le sel. Et il a trouvé ça. Une seule portion, hein, par la boîte de vache qui rit.
79 centimes la portion. C'est une ruine. Elle a intérêt à savourer, Lana. On nous avait dit que c'était cher à Hawaï, mais c'est pas un mythe. C'est des chips, mais c'est pas pour maintenant. Donc voilà, on va manger sushi pour Nico et moi qu'on a trouvé au magasin tout à l'heure. Et Lana, elle va avoir des pâtes avec du jambon. Je vous laisse là parce que. Oui, peut-être les céréales. Et je vous laisse là parce que on va manger. Puis après, Lana va filer au lit. Et puis moi, je vais monter le vlog avec le peu de ressources qui me reste parce qu'il est plus de 22h dans ma tête. Et j'ai fait nuit blanche, donc je suis un peu morte. Mais bon, j'ai pas envie de prendre trop de retard de suite. Donc on espère que le vlog, il vous a plu. À deux. Bye.